m'appelle Julien Royot, j'ai 40 ans et je suis gérant de la société, enfin, de la franchise Rent-A-Car sur Montluçon. Donc, je loue des véhicules utilitaires et des véhicules particuliers. Voilà. On avait mis en place, j'avais réservé, ben là c'est plein, donc j'avais réservé 6 véhicules que j'ai prêtés au personnel soignant pendant la durée du conflit, pour tous ceux qui en avaient besoin. C'était le 17, le jour du début du confinement. J'ai regardé mon parc de véhicules, je me suis rendu compte que tout était dans le garage. Et je me disais que finalement, ça ne servait à rien que ça reste dans le garage. Et que si on pouvait éventuellement faire profiter les gens, ça aurait été pas plus mal. Et puis, il est venu comme ça, de faire profiter aux gens qui travaillaient et qui en avaient réellement besoin. Trop d'activité, ça n'a pas trop d'impact, mais j'espère que ça va quand même essayer d'apporter un peu de monde, de faire connaître aussi un peu l'entreprise, mon activité, et puis voilà quoi. Surtout, c'était surtout pour eux, pour les faire, c'était pour essayer d'avoir un geste un peu, comment dire, un peu altruiste quoi, qu'on puisse faire partager un petit peu ce qu'on avait. Voilà. Mon secteur, et je pense dans pas mal de secteurs, qu'aujourd'hui les gens reviennent plutôt vers les petites structures que d'aller dans les grandes, dans les grands centres commerciaux ou autres. Nous, on a énormément de concurrence sur les grandes surfaces, etc. Et j'aimerais bien que les gens se souviennent qu'il y a des petites structures qui font bien leur métier, qui sont largement compétitives, quoi. Qu'on puisse continuer à avoir un peu d'activité autre que sur les grandes structures. La petite pierre à l'édifice a aidé beaucoup de gens, alors je suis relativement fier et puis je remercie surtout tout le monde, tous ceux qui ont relayé ma vidéo pour que ça soit vu par tout le monde et que tout le monde ait pu bénéficier du véhicule. Voilà.